Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage dans le logiciel KTVV5. Alors, si c'est la première fois que vous rencontrez cette chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous êtes déjà parmi la famille des auto-formateurs, alors n'hésitez pas à commenter et à nous laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et maintenant, passons à notre objectif de la vidéo, qui est la révolution et la gorge. Voilà, révolution et gorge. Alors, vas-tu de suite sélectionner un plan XY par exemple. Esquisse. Je clique sur axe de construction. Voilà. Alors, je sélectionne un petit carré. Voilà. Alors, la longueur de l'axe n'est pas nécessaire. Je peux mettre ce que je veux. Je sors de l'esquisse. Et là, je clique sur Évolution. Voilà. Alors, on a ici les limites. C'est-à-dire, dans ce sens, on a 360 degrés. Et dans l'autre sens, on a 0. Alors, je peux mettre 60. Aperçu, voilà le résultat. Alors, voilà le sens de révolution, c'est-à-dire le sens du premier angle. Je peux inverser en cliquant ici. Aperçu, voilà. Ou bien sur le bouton inverser la direction. Et voilà. Sinon, je peux mettre 30 ici. Inverser la direction. Aperçu, voilà notre esquisse. Voilà l'angle de 30 et voilà l'angle de 60. Alors, j'ai mis le premier angle dans ce sens-là. Alors, bien sûr, l'esquisse, c'est notre esquisse. Voilà, c'est l'esquisse, c'est celui-là. Axe, il est sélectionné automatiquement l'axe qu'on a fait pour axe de construction. Alors, je peux choisir ce que je veux. Alors, je fais un clic droit. Alors, on a ici créé une droite, c'est-à-dire si on veut créer une droite, je fais OK. Alors là, on met le type de droite, c'est-à-dire si on veut une droite passant de deux points, ou bien un point et une direction, un angle, tangente, etc. Voilà, si je mets par exemple point et direction, alors on a ici le point, la direction, le support, début, etc. Là, je fais un nouveau. Sinon, on peut choisir cet axe, c'est l'axe Y. Alors, je clique ici et je clique sur l'axe. Voilà. Voilà, alors je clique droit, enlever la sélection. Voilà. Je mets ici 360 dans l'autre sens. Ok. Ici, on met 0. Entrée. Et voilà notre révolution. Alors, je peux supprimer celui-là. Géométrie. Voilà l'axe qu'on a mis au début pour la révolution. Voilà, c'est tout pour la révolution. Maintenant, on va choisir. On va passer à la gorge. Alors, on cache l'esquisse de révolution. On fait un clic droit. Cacher, afficher. Voilà. Alors, je sélectionne le plan, ce plan, esquisse, voilà. Je prends un petit rectangle. Ok. Je sors de l'esquisse. Alors, on fait gorge. Gorge, c'est presque la même chose, sauf ici, on doit choisir un axe. Vers l'axe de la gorge. Je vais aller dans géométrie. Et c'est le premier axe. Maintenant, je vais cliquer sur la révolution et ça m'indique directement l'axe. Voilà. C'est bon. Aperçu. Et voilà. J'espère que ça vous servit.
À la prochaine.